Responsable d'un accident de la route meurtrier le vendredi 10 février, Pierre Palmade fait parler de lui, mais pas en bien. C'est de la colère qu'il suscite, d'autant plus qu'il a été contrôlé positif à la cocaïne. C'est une addiction qu'il a toujours assumée et évoquée, et pour beaucoup il s'agit du dérapage de trop. Plus personne ne vient le soutenir, ni ses amis les plus proches comme Michel Larocque, et ou bien Muriel Robin ou Lynn Renault, il n'y en a pas une qui vient le défendre. De toute façon, tout le monde était bien conscient que ça finirait mal. Même lui, il le disait, il disait « je finirai à la rubrique fait divers ». Donc c'est normal, tous ses amis du métier ont disparu. Il n'y en a pas un qui vient déclarer « oh le pauvre, c'est une victime ». Non, tout le monde considère qu'il est responsable de ce qu'il a fait.